Après ton évasion, tu as été confié à Jason Hudson de la CIA. Comment a-t-il pu croire en toi, tout en sachant que Reznov t'avait aidé à t'enfuir de Vorkuta ? Reznov... C'était mon ami. Mais il s'en est pas sorti. Victor Reznov était un communiste. Comment la CIA a su que tu n'étais pas compromis ? Ils m'ont testé. Ils savaient qu'on me briserait pas, et c'est toujours vrai. Le gouvernement voulait Dragovich. Il voulait que tu le tues. Oui. Et il y en avait d'autres. D'autres que je devais tuer. Qui ? Mason ? Blanchi et convoqué au Patagone. Jason Hudson était mon contact. On y est! Pourquoi le Patagone? Hudson m'a rien dit. Pas l'autorisation. Votre convoi est prêt, monsieur. Bienvenue au Patagone! On est en retard. Secrétaire McNamara. Votre réputation vous précède, monsieur. Dépêchez-vous. C'est tout de même la sécurité nationale qui est en jeu. Il ne craint personne, n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse. Il s'appelle Dragovich. Je crois que vous êtes déjà rencontré. Quand dois-je le tuer ? Content que vous soyez de retour, Mason. Notre invité. Il est là. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. On pouvait se fier à personne, alors. Même pas à soi-même. D'où notre présence, Mason, pour pouvoir t'évaluer. La crème de la crème mondiale. Juste ici. Toujours disponible. On a toujours gardé l'œil sur toi. C'est impossible. J'étais au Patagone. Vous pouvez dire qu'on est là. Mot de passe, monsieur. Autorisation Prospero. Héros distingué. Je me souviens. J'entendais des nombres. Je pouvais pas les sortir de ma tête. Distingué. Autorisation Ariel. VIP. Je sentais un truc. Il a dévoré. Quoi, Mason ? Le centre d'opération. Je crois pouvoir dire que la civilisation a été plus d'une fois sauvée. Je sais pas. J'étais comme dans un rêve. Phase 2, s'élever des ténèbres. Phase 3, pluie de feu. Tu te rapprochais de ton objectif. Ça fonctionnait. Ça marche toujours. Impressionnant, hein? Pas encore. C'est Korax. Ce sanctuaire a été bâti en 1943. On l'utilise rarement. Merci, monsieur le secrétaire. Bonne chance, Mason. Monsieur le Président ? Agent Mason. C'est un honneur, monsieur le Président. Asseyez-vous.
Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Nikita Dragovitch. On me dit que vous êtes notre meilleur homme. En tout point. Je vous le souhaite. Monsieur Mason, chargez-vous de ça. Ordre de mission, opération Flashbolt. Frappez le cœur de leur programme spatial. Éradiquez leur projet de missile longue portée. Anéantir le groupe Ascension, des nazis, des savants cooptés par les Russes après la guerre. Il avait besoin de leur savoir, de leur connaissance. Opération 40 a déplacé un agent double au plus près du groupe Ascension. Grigory Weaver, sa mission était de saboter la fusée. Mais ça a mal tourné, Mason. Ah, j'arrive pas à me sortir ces nombres de la tête. Pas de réponse de Weaver. Faut qu'on y aille. Ouvre l'œil, Mason. On y va. On se bouge. Whisky, répondez. J'écoute, X-Ray. Soyouz 1 va bientôt décoller. On est en route. À vous. Compris. On n'a plus beaucoup de temps, Mason. On y va. Quelque chose cloche. Il y a beaucoup trop d'activité. Yankee 1-3, au rapport. Yankee 1-3, au rapport. Weaver ne répond plus. Tiens, regardez ce qu'on a là. Le compte à rebours a commencé. Voilà Soyouz 2. Décollage prévu 10 minutes après Soyouz 1. Droit devant, bâtiment des coms. Mason. Il y a de l'activité sur la route. Va voir ça. Merde, c'est Weaver. Ils l'ont chopé. Votre collègue se refuse à expliquer sa présence dans cette enceinte. Putain, c'est qui, ça? Rendez-vous. Et vous aurez tous la vie sauve. C'est Kravchenko, le sous-commandant de Dragovitch. C'est votre dernière chance. On ne peut rien faire, Mason. Weaver est foutu. Je sais. Tant pis. Ça sent l'embrouille. Sale chien. Groupe Whisky, en position. Reçu, X-Ray. Whisky couvre la route. Weaver s'est fait prendre. La base devrait passer en alerte maximale. Gardez vos positions. On est en approche. Compris. D'accord. On y va. Hélico, on approche! On se bagne! Suis-moi et me lâche pas! C'est bon. Manie-toi. Il nous faut ses uniformes. Je prends celui qui est au sol. Tu prends l'autre. Allez. Il
Mettons-les hors de vue. Sauver Weaver était plus important que ton objectif de tuer Dragovich. Weaver était russe. Mais il était sympa. J'espère que t'as appris le russe à Vorkuta, Mason. Ça devrait aller. Faut qu'on sauve Weaver. Ne tire pas. Joue ton rôle. Hey, что это за шум? Эй, собаки, покарайте. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Да, да. C'est bon. Donc ces Bowman devraient être devant. X-Ray, ici Whiskey. Ennemis en vue, je m'en occupe. Mine-toi. Qu'est-ce qui est arrivé à Weaver? Il a été compromis. On continue comme prévu. On se créera une autre occasion. Bon, on y va. Что происходит? Повышение давления. Ватсаки 12А. Натирай палец. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогалования любые колебания. Ты уверен? Эй, у нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres. Non, c'est bon. Faites juste comme eux. Bâtiment des coms droit devant. Sniper! Sur le toit! Deux hommes en faction devant! Ok, Bowman, Brooks, débarrassez-vous d'eux. У нас проблема! За мной! T'es prêt? Nettoie bien tous les étages. Je coupe les communications. Allez! Prêt pour tout faire voir! Grenade! Я подъезжаю! Понятно! Cible éliminée! On ranien! J'envoie une grenade! On ranien! Compris! Ranien! Grenade! Il est mort. X-Ray, répondez à vous. J'écoute Bowman. Nous avons Weaver en visuel. Il l'amène à un bunker au sud du bâtiment des coms. Mason! Mason, par ici! Arbalète, pointe explosive! Vite! Couvre l'échelle! Ennemi, on approche par le nord! On est coincé! On a de la compagnie! Ils sont bloqués! Détruis ces véhicules! Oh,
feu attire l'attention. Ces connards bloquent. Sécurise la corde. Toi, tu tires. Fais vite, Mason. Allez, allez! Bon à droite. C'est bon à gauche. Tu peux poursuivre la mission, Weaver? On y va! Tu as saboté le système de guidage? J'étais compromis. Trop tard pour la jouer fine. On passe au plan B. On peut peut-être encore bloquer le lancement. Il faut rejoindre le bunker auxiliaire de commande. Tu as sauvé Weaver. Tu n'avais plus qu'à trouver le groupe Ascension et tuer les savants. Non. Je devais tuer... Dragovitch. Ennemi, le resto de nouilles! Mason, avec moi! Bougez-vous! On a un combat sur les bras! Regardez la rambarde! À la rambarde! Ennemi! On vous tire dessus! Il est à terre! Regardez! À la rambarde! Ennemi! Regardez la rambarde! Il y a pas de jaille! Ennemi près des unités de refroidissement! Cible près des unités de refroidissement! Il est à terre! À la rambarde! Ennemi! Il est à terre! Bon boulot! Comment c'est ça, il vous descend? Cible à terre! Des caisses! Côté gauche! Il est mort! Des autres! Dirigez pas les lignes! Contact à terre! Contact! Caisse sur la droite! Compris! On est dessus! Cible à terre! Он у меня на мушке! Убежай! Сиди, натарите! Этого не будет! Санитар, сюда! Я их вижу! Я вижу! Это я! Mason, fais un trou dans ce putain de mur! Prêt! Il faut détruire cette fusée, à tout prix! C'est trop tard, je peux rien faire! Plan B, Bowman, à toi de jouer! Ça doit le faire! Tire, Mason! Vite! Nom de Dieu! Sacrée façon de tester un prototype. Putain de plomb. Tunnel! Pauvre type. C'est des salauds de nazis. Ils méritent pas de pitié. On est là pour les descendre. Le reste du groupe Ascension va essayer de s'enfuir du complexe. Bowman, Brooks, faites le tour jusqu'au tunnel nord. Personne ne sort par derrière. Mason et Weaver, avec moi.
dire. Il est mort. Bien visé. Il est à terre. J'en ai un près des caisses. Hé, fais gaffe. Grenade. Scorez-vous du bout. Ennemi neutralisé. Lance une grenade. On y est, Jiré. Подержаю! Ой, да не... Не мог. Граната! Давай отсюда! Держу их огнем! Подтверждай! Раненый! Много целей! Он в моем поле зрения! Калашная хмую! Я тебя прикрываю! Быстро ноги! Вас понял! В нашу сторону! Элиэнде! Не высовывайся! Мы сейчас! Меняю, стреляй! Санитара! Сибля Тея! Товарища ранило! Но... Скоро его не будет! Понятно! Кот и гуш! Кот и гуш! Лекай! Il est mort. Сделаю. Я вижу. Держи в поле зрения. Копы. Cible à terre. De foutre le camp. Pas encore. On va traquer Dragovitch. On le fait à nouveau. Reste avec moi, Mason. Kravchenko s'est enfui avant qu'on le rattrape. Tu étais tout prêt. Dragovitch était là, pas vrai? Ce salopard était introuvable. On a volé un BTR pour foutre le camp là. On perd notre temps. Il est complètement fou. Mais on est tombé sur la voiture de Dragovitch. Je le tenais. Satisfait, Mason? Pas encore. Pas avant d'avoir vu le corps. Dragovitch, est-ce que la cible est morte? Crois-moi, ce salopard n'est qu'un petit tas de cendres. Bizarrement, je savais que Dragovitch était en vie. C'était devenu une obsession. Tu as passé 5 ans à tenter de le retrouver. Il était partout. Je pouvais pas le sortir de ma tête. Tout comme les autres. On l'a injecté une telle quantité de merde qu'il ne sera plus ce qu'il est. Des Russes, toujours dans ma tête. Non, on continue à le passer. Hé hey, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? On veut les nombres des salles. C'est ce qu'on a toujours voulu.
Revenons en arrière, Mason. Après Baïkonour, où est-ce que Washington t'a envoyé? Au Vietnam. Foutu qu'est-ce. C'était en 1968. Ouais, je faisais partie du groupe GRS mené par Frank Woods. Une reconnaissance des opérations russes au Laos. Et ton officier traitant, Hudson, il était à Kessan. Il était avec toi là-bas. Hudson. Les lunettes noires, un bloc de glace se dit.